tous, c'est Kevlar830, surtout aujourd'hui pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon. Je vous retrouve un petit peu plus loin après le dernier épisode. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 runs suicide run de mon côté. Et du coup, je voulais vous montrer une autre suicide run, mais d'une façon différente en fait. Vous pouvez le voir, j'ai beaucoup d'argent. Et pas mal de blasons et de trucs. J'essaie un peu d'améliorer vite fait certaines capacités, etc. Et avoir une bonne équipe pour plus tard. Donc, nous allons essayer de faire... Où est-ce qu'il n'y a pas de quête qui rapporte... Si, il y a des contrats là, etc. Mais bon. Encore une fois, pour le moment, je suis toujours dans les ruines, faut savoir. Donc... Oui, on va faire ça par exemple. Plus d'esquive, tout ça. Ça peut être pas mal ça. Pour un maître chien. Ok, donc l'équipe qu'on va faire, ce sera encore des mecs YOLO. Toi. Toi. Tout à l'arrière, il aime bien. Lui, c'est deuxième ou premier. Ça, du coup. Lui, il aime pas trop être en premier, mais ça passe. Bon, et bien voilà. On va mettre un chien. 3000 pièces d'or et des portraits. Portraits, il nous en faut aussi, de toute façon, donc ça va. Ouais, les noms, j'ai rien changé. Donc, Écoulante, Bordel, Allez, Virène, c'est des trucs qui viennent. Surtout Bordel, je comprends pas de son nom, mais c'est pas grave. J'essaie aussi de garder certaines personnes, en fait, qui sont dans la loi de la liste. J'essaierai de faire certainement une team avec Anki Van Snarlis, Dashington Noctis. Ou peut-être autre chose que de. Peut-être Dame Galadriel aussi, parce que c'est des trucs de soins, eux. Ou alors Noctis, peut-être, je sais pas, on verra bien. Bref. Nous avons Keegan Price maintenant, vous savez? Keegan Price, oui, ce pote. Ce pote que je dis qu'il est juif à chaque fois. Dont je parle de lui, pardon. En tant que juif. Et donc du coup, vu qu'il y avait un postulant lépreux, je me suis dit que ça ne pouvait être que pour lui, hein. Parce que les juifs, la lèpre, tout ça, Jésus, hein, hashtag, RPZ. Je déconne évidemment, voilà. Mais bref, j'espère qu'il appréciera être dans le let's play. Et je n'ai pas contesté du coup, donc je verrai bien ce que ça donne à lépreux dans le truc. J'ai chopé du coup aussi une abomination. Ça, j'essaierai de vous montrer... une autre fois. Et une arbalétrière aussi. Arbalétrière que techniquement j'aimerais bien garder aussi. Et même si c'est une femme, tant pis, je vais l'appeler Redshift. Il se reconnaîtra, c'est juste parce qu'elle est cool que j'ai mis ça. Son pseudo, voilà. Vous pouvez pas comprendre, je crois, mais c'est pas grave. Bref, genre cool, ils sont noirs, lol. Alors. Et un occultiste, que je n'ai jamais testé non plus, mais... Et voilà. Qui a l'air plutôt pété, quand même, franchement. On essaiera d'XP des trucs comme ça, voir un peu ce qu'il donne. Donc voilà, on va faire une petite quête... courte, ouais, je dirais, courte, c'est bien. Et on va prendre les provisions. Alors, en provision, on va prendre 8 de bouffe. Bon, on lui donne une pelle en anti-venin, c'est sympa. On va prendre une eau bénite. Une clé au cas où, une deuxième pelle, deux bandages, une herbe médicinale, et c'est tout. Voilà. Pas de torche, oui, je sais, pas de torche. Quoique, une torche juste pour dire. C'est au cas où. On verra bien ce que ça va donner. Et donc, le principe de ces runs, c'est que ce sont des runs suicides aussi. Enfin, suicide ou. En tout cas. And what better place to be in than the seat of our noble line? On va faire la descente puis remonter. Bon, le principe du truc, c'est qu'en fait, on va faire ça. Mage, contrôle, clic. Darkness closes in, haunting the hearts of men. Et donc, on se met dans le noir total parce que beaucoup plus de stress, d'accord. Beaucoup plus de précision des dégâts des monstres. Les héros sont beaucoup plus facilement surpris. Mais
beaucoup plus de critiques et beaucoup plus de butins surtout. Alors lui par contre, à mon avis, bordel, il va faire le bordel, lol. Donc on va commencer par un coup de pioche à la gueule. Voilà. Executed with impunity. Explosion, allez, est-ce que ça va le stun? Voilà. Ça va nettoyer le terrain. Donc, on va avancer. Hein. Vous voyez qu'elle est pas un peu forte? Oh, vous avez fait ça, critique. 900 d'un coup sur un premier combat en quête simple, hein. Courte en plus, sur deux zombies. On peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Ah, la lumière, le truc de la lumière. On va le mettre sur lui, peut-être. Plus de dégâts. Voilà, hop, une caisse maintenant. Caisse est vide, dommage. Bon bah tant pis, hein. Ah merde, attendez. Oh, excusez-moi, j'ai oublié que ma carte son faisait un peu des misères, donc j'ai cru que je n'avais pas de micro, mais c'est bon, tout va bien. Alors, on arrive dans la pièce là-bas. Que va-t-il se passer? Du repérage, parfait. Oh, jusqu'au bout en plus. Oh oui. Des combats par là, un combat et un truc, combat et un truc. Des curiosités. On va commencer par le bas, moi j'ai dit. On commence par une torche à récupérer. Hein. Wealth beyond measure. Une clé avec la tête. The brave and the foolhardy alike. Oh! Des bustes et des blasons. On a bien fait d'avoir pris une deuxième pelle, hein. Ils sont surpris. Wow, ils sont surpris eux-mêmes. Ah bah dis donc. J'hésite en fait. Oh. Oh, je vais essayer de marquer eux. Toi, tu vas faire le café, je sens. Oh là, c'est bien ça, c'est. Tu vas faire. Une explosion. Trottissement, c'est pas mal. Étourdi, mais lui, il résiste. Dommage. Donc là, techniquement, j'ai un bonus, non? On va essayer. Ouais, vite fait, hein. Oh là 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 là. Pourquoi elle prend 4? Ok, nice. Bravo, 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 bravo. Ça, c'est bien. Aïe! 10! Ah! Venge-toi! Nice. Grenade à peste, vas-y, affection. 4 par 4 par, c'est vraiment énorme comme affection, franchement. Allez, 9. Il faut encore 1000 de dégâts. Non, enfin. Il résiste au saignement, parfait. Par contre, il va refaire beaucoup de dégâts. Ça fait trop de dégâts. Their formation is broken. Ah, il peut attaquer jusque là. Bah, ça passe. Parfait. 825 d'or, putain. Ça fait mal, hein, quand même. Ils ont faim. Parfait. Parti pour un combat. On va être surpris, je parie. Ah non, c'est pas. Personne n'est surpris.
Je suis pas surpris de le voir ici. Bon, l'arbitrie va commencer ce qu'ils font. Ils font vraiment mal. C'est abusé. Regardez ça! En tout cas, à distance, ils font 8 quoi. PLS quoi. Another parfait. C'est pas le plus dangereux, mais il fait une attaque, ça fait une attaque en moins, du coup, c'est bien. Est-ce qu'on peut peut-être. Non, je peux rien faire. C'est de l'achever lui. Yes, c'est bon. Parfait! Aujourd'hui, je ne suis pas en stream. Je veux pas en vie en fait. Je ne peux rien faire. J'ai soigné elle. Du coup. Je n'avais pas envie de stream aujourd'hui tout de suite, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attendez, excusez-moi. Alors, rep. On va attaquer directement, c'est bon. Bon ça. On va re-soigner là. Allez, tue-le. 4, parfait. C'est ce qu'il fallait. Encore une clé, putain. C'est quoi votre souci, les gars? Position de base, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Excusez-moi. Attention. America. Yeah. Alors. Ça peut être pas mal pour commencer. En critique 1 et l'autre 1 sans critique. C'est bien ça, c'est pratique franchement. J'aime bien. Au moins ça fait 4 par tour. Ils vont prendre cher comme ça. C'est combien ça? C'est 3 pendant 3 tours. 3 pendant 3 tours. Et du coup, si on. Allez. 8 du coup, on a un coup. Par tour pendant 5 tours. Bon bah ok, lui il va être un peu mourir au moins. L'affection c'est vraiment pas mal de jouer avec ça, hein. faut pas désigner. D'ailleurs je n'ai pas pu enregistrer malheureusement. Je suis tombé sur le collecteur, je sais pas si vous vous souvenez le truc qui m'a one shot, le 70 PV etc là, qui invoquait des machins ultra cheatés. J'ai réussi à le vaincre, parce que je spammais étourdissement. Puis j'attaquais avec des atouts d'affection et de saignement, et du coup ça faisait beaucoup de dégâts à la seconde. Bon, j'ai perdu 3 personnes pour le faire, mais j'ai réussi à l'avoir, ça vous le savez. Et à la fin, j'ai juste une pierre qui valait 2500 pièces d'or, voilà. J'essaierai de vous le remontrer si j'ai l'occasion. Ok, ça c'est fait. Un de moins. Prends 7, putain, quoi. Oh, le coup de la tentation. Oh, il est mort. Tu vas boire de mon goût. Oh. Aïe. 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 Bon. On n'a rien pour se soigner par contre avec cette run suicide. C'est un petit peu dommage. Bim. On a plus de mec qui fait du stress. Et un peu de dégâts. Oui, par tour. Bon, prochain tour, il est mort. On a gagné. Bois dans le truc, vas-y. On sait pas à quoi ça sert, mais vas-y, fais-le. C'est bon. Encore une clé, mais putain. Ça vaut combien une clé? Ça ne vaut rien une clé, mais d'accord. Non. Je ne sais pas combien. On peut voir uniquement quand on a l'inventaire plein, en fait. Bon bah du coup, on va utiliser une clé, hein. Il nous faut un compartiment secret. Oh, 1000. Pas mal de trucs. Ça valait le coup de venir ici.
Bon, par contre, on va peut-être pas réussir le donjon en entier, je sais pas. Un peu de chance, c'est moyen, hein, mais. Je sais pas. Que vous allez me dire que jusque-là, il n'y a pas de combat. À part dans la pièce, l'avant-dernière pièce, donc on verra bien. Sur un malentendu, ça peut passer, hein, écoutez. Donc, ça, ce que ça s'appelle un pitch black. Je crois que c'est bien ça. Pitch black run. Où en gros, on a beaucoup plus de loot quand on fait ça. Hop. Manche, voilà. On a encore deux de bouffe, je sais pas pourquoi. Vas-y, toi, va voir ce qui se passe là-dedans. Il obtient l'absolution. Il a perdu une phobie. Il a plus de phobie, du coup. On verra. Merde, le piège, je suis con. Ah, oh, je suis trop con. Plus je le voyais, je l'avais. Ah, mais putain, voilà, je l'ai foiré. Ah non! Oh! Concentré. Bah putain, finalement, ça a été bénéfique. Dans mon fail, j'ai eu un bonus, c'est bien. Ça arrive parfois, c'est de la vertu. C'est ce qu'on appelle la virtuosité. Virtuosité. La vertu, pardon. Oula! J'ai confondu avec virtuosité, ça n'a rien à voir. C'est la vertu, pardon. Excusez-moi. Des armes. Ça, je ne touche pas parce que la dernière fois, ça nous a... Quoique... on touche pas. J'ai de l'eau bénite? Oui, j'ai de l'eau bénite. Glittering 1000 gold. 1225 pour une fiole d'eau bénite qui vaut 250, donc ça va, ça a été très rentable. Il me semblait bien que j'avais une bouteille. Personne n'est surpris. Par contre, ils commencent, ils engagent. Ils font chier. Il y en a vraiment qu'un mec qui est en bon état. Vous pouvez empoisonner lui, ce serait bien. Voilà. Merde, c'est déjà son tour, fait chier. Il va faire super mal. Ouais, voilà, 9, évidemment. Comme je dis, il y en avait un qui était en bon état, il fallait absolument qu'il se le prenne dans la gueule, quoi. Voilà, on le remet encore une fois du poison. 7 partout. 4 partout, lui. Vas-y, ça, lui, il est mort au prochain tour. 8 en riposte. Lui, on va le tuer du premier coup, je parie. Yes, voilà. Allez, on se laisse pas abattre. Bon, lui, il est en agonie, mais il a battu, j'ai rien dit. Prends 7 par tour, lui. Bon, ben, c'était pas nécessaire, mais au moins, il est mort. C'est le prochain tour. Vas-y, médicaments, soigne-le pour éviter l'agonie. Je sais pas si je vais le garder. Que bordel, ça fait déjà 2 ou 3 runs que je fais avec lui, donc il y a peut-être moyen de le garder, on verra bien. Et voilà! Pierre de saignement. Comment moyen de vitesse. Encore une clé. On continue l'aventure. Un combat en plus là-bas. Toi, t'as plus de vie au cas où. Tacticien des ruines. Plus de dégâts dans les ruines. D'accord. Ouais. On s'en fout un peu, mais c'est assez sympa, mais on s'en fout un peu vu que c'est un personnage trash donc. Faire d'un manqué un toucher. Plus de stress si on est. Il fait noir du coup. Tant pis pour toi, madame. Alors, une carte. Sauf qu'on s'en fout, on l'a déjà tout récupéré. C'est parti pour un combat. Peut-être le combat de trop.
Oh, une araignée! Elles sont dégueulasses! Bah, 7 HP! Vas-y, essaye de la tuer directement. Voilà, c'est bien, même ça, je la vois plus. Ah! Je ne supporte pas les araignées. Comme vous l'aurez pu le remarquer si vous regardez là, les best-of sur Ark. Sur Horizon Evo. J'aime bien jouer d'ailleurs. Un nouveau jeu auquel je joue pour le moment, j'ai commencé hier. Hier pour moi c'est le 30 juin. That overconfidence is a slow and insidious killer. Ça j'ai pas assez de place pour 900 pièces d'or. On va tout de suite jeter ça. Les torches on s'en fout vu que c'était pas le but. Voilà, bref. On est bien. Tout se passe bien. Là, il y a un piège. C'est Elite Dangerous que j'ai commencé avec Narliss. Donc, vous aurez peut-être des best-of dessus ou des vidéos, on verra bien. C'est un jeu qui est très contemplatif. Donc, il n'y a pas énormément d'action dedans, etc. Mais il se passe des choses sympas. Franchement, moi, j'adore ce jeu. On a plus d'eau bénite, donc on va laisser tomber. Et on a tout fait à 100%. Voilà, on peut retourner en arrière. Regardez ce qu'on va gagner. 3000, 2 portraits, une relique. Ah, 8800 en récupéré. 6 portraits. 12 blasons. 8 portraits, 12 blasons. Bon, évidemment, ce n'est pas ce que je cherche, hein, mais c'est toujours pas mal. Pique assiette. Ils sont pas sainteté. Bigophobe. Picassiette. Putain, mais pourquoi ils ont tous picassiette? Bon, de toute façon, ce sera pour jeter, donc. Désolé, messieurs, probablement. Ah, plus 33% de soins reçus pour tous les héros inactifs. Bah putain, c'est pour ça que tout le monde a été... Putain, c'est soigné bien, oh là là. Il y en a plein qui étaient en stress, et là, c'est bon, quoi. Ah oui, j'étais en train aussi de traiter Noctis. On va essayer de lui enlever sa phobie des tanières. Ou alors, je regardais s'il n'y a pas d'autres trucs, ici. Tricheur, on s'en fout pour Narliss. En Kivan, c'est pas encore trop grave tout ça. À part Nocturne, c'est vrai que c'est chiant, mais bon. Dame Galadriel. Non, on s'en fout. Marion. Ça passe. Egan Price, il a quoi lui? Obsession pour l'acquisition du savoir. Bon. Le savoir. bon. Une sorte de maison close. Bon bah écoutez, regardez ce qu'il y a dans la diligence. Hein. Un balétrier, un bouffon. Tiens, on n'a pas encore une bouffon. Postulant à balétrière. Postulant antiquaire. Et encore un lépreux. Mais du coup, on va pouvoir les tester le lépreux, du coup, pour savoir comment ça joue un peu. Je vais faire une autre run, peut-être. Bon, là, oui, je vais faire ça. Ouais. Je vais faire une suicide run dans un autre endroit. Voilà. Que j'ai encore. Pour le moment, j'ai fait que les ruines, hein, donc. Ce sera en complète découverte. Je fais ça dans un autre endroit si, et seulement si, il y a un contrat avec des. Bah, justement, des contrats. Pour essayer de me renflouer un peu, ce serait bien. Attends, du coup... Tous ceux-là, ils sont encore à bon état, en fait. Écoutez, on pourrait prendre le bouffon. You will be laughing still at the end.
At the end. Est-ce qu'il y en a un que je pourrais jeter? Écoutez, ça se passe bien pour le moment, j'ai l'impression. Ah oui, lui par contre, c'est le tien. On va prendre le lépreux. Ah merde. On va balancer, pardon, lui, du coup. Tant pis. Quoique. Elle, même en pratique. Pour les runs suicides. Hop, vas-y. On prend un lépreux. Useless. Et on va faire une run avec ça. On va savoir ce que ça va donner. Alors, par contre, ce que je pourrais faire, du coup. C'est bon à réfléchir. En tant que bouffon, je sais pas s'il va durer ou quoi, hein. Obsession pour l'assassinat, what? Force pas aux esparcleaux, d'accord. Robuste, photomanie. Vu qu'il fait souvent des blagues sur mes streams, quand j'en fais, et quand il est là, évidemment, je vais l'appeler Torgadon. Voilà. Et après, il faut voir si vous allez survivre ou pas, mais bon. On va l'appeler Unvolty, lui. Rapport évidemment à Volty Boy ou Flag Jacket, ça dépend un peu comment il s'appelle. Unvolty, pourquoi? Parce que c'est un peu comme allez, Unleashed ou Released, etc. Donc en anglais. Donc pour dire qu'il est en dehors de l'abri. Jeu de mots avec son truc, parce que lui, c'était une espèce de loup-garou, quelque chose du genre. Donc. Enfin, je vous montrerai encore une fois plus tard ça, comme j'ai dit. Redshift. Et je ne sais pas comment appeler l'occultiste. Bah, au pire, je vais l'appeler Dead Goroth. Parce que même si ça fait quelque temps que je lui ai pas parlé, je sais bien que lui, tout ce qui est Cthulhuien, etc., en général, il aime bien. Et je vois que lui, il a beaucoup de avec des tentacules, justement, complètement Lovecraft, en fait, donc... à mon avis, ça devrait être sympa pour lui. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vais regarder tant qu'on y est, ici. Les tanières. On va tester les tanières. Comme ça, il y a des contrats là-bas, on sait jamais. J'espère que vous aurez apprécié ce let's play. Oh là là, je vous dis ça comme si c'était le dernier. Vous aurez apprécié cet épisode, pardon. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager, à commenter. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez votre nom dans la liste des personnes ici, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi une préférence pour un type de personnage ou quoi, dites-le, je verrai si je peux vous contenter ou pas. Et je vous dis donc à la prochaine. Allez, ciao !